Mais quel cadeau vous, hommes, vous pouvez faire à nous, femmes? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction et aujourd'hui on rentre dans la tête des femmes et je vous dis comment choisir un bon cadeau pour une femme. Je vous apprends à ne plus penser comme un homme pour faire un bon choix de cadeau pour être sûre de faire plaisir. Attention, ça va être difficile, je pense, pour vous de comprendre ce que j'ai à vous dire parce que vraiment, en discutant avec certains d'entre vous, je me suis rendu compte que on pensait vraiment de manière très très différente et c'est très certainement ça qui vous bloquait au moment de faire des cadeaux. Donc c'est parti, j'ai trois choses à vous dire sur la façon dont nous on fonctionne, femmes, et sur notre rapport au cadeau, rapport aux surprises. Bon, évidemment, aujourd'hui, on est d'accord, je m'adresse à des hommes qui veulent faire des cadeaux à, disons, la femme moyenne. Voilà, j'en fais partie, hein, il n'y a pas de malaise là-dedans, il n'y a pas de critique, d'accord? À la femme donc moyenne, la consommatrice moyenne, celle qui est en plein dans la société de consommation. Si la femme à qui vous souhaitez faire un cadeau est du genre pas du tout, du tout, du tout matérialiste, si elle n'est pas du tout consommatrice, si elle va à contre-courant de toutes ces tendances actuelles, il est possible que les conseils que je vais vous donner ne lui conviennent pas, puisque cette femme-là n'a pas la même mentalité, n'a pas le même mode de fonctionnement, d'accord? Donc déjà, faites attention à qui vous souhaitez offrir un cadeau. Maintenant, quand même, on va pas se mentir, j'ai pas les pourcentages, mais on a un sacré nombre de femmes à fonctionner plus ou moins de la même manière. Et vraiment, sauf erreur de ma part, sauf erreur d'interprétation de la vôtre aussi, vous tomberez juste si vous suivez bien les conseils que je vais vous donner, si vous apprenez à rentrer dans la tête d'une femme en suivant les conseils que je vais vous donner. Donc vous le savez déjà, hein, aussi petite parenthèse et ensuite promis, je vous donne mes trois astuces, mes trois façons de voir les choses pour pouvoir rentrer dans la tête d'une femme. Première chose déjà, c'est que vous l'avez compris, un cadeau, on ne le fait pas sans raison. Enfin, on peut, mais bon, mieux vaut le faire avec raison. Voilà. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Est-ce qu'il faut faire un cadeau ou pas à une femme sans raison, avec pour unique raison le fait qu'elle vous plaît? Bon, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Maintenant que vous le savez, on est là pour faire un cadeau à une femme, pour une occasion, je sais pas, Noël par hasard, voilà, son anniversaire par exemple, Saint-Valentin aussi, etc. Et c'est compliqué les cadeaux, vous voyez, on voit pas les choses de la même façon. Première chose, je vous dirais qu'il vaut mieux éviter de faire un cadeau de type surprise totale. C'est-à-dire un cadeau complètement random, un cadeau sorti vraiment de nulle part, nulle part, nulle part. Ou en tout cas, si vous faites un cadeau de ce type-là, complétez-le avec un autre qui correspond aux critères que je vous donnerai après. Alors pourquoi ça? Je développe très longuement cet aspect-là dans ma vidéo sur comment surprendre une femme, d'accord? Mais globalement, disons que les surprises totales, ça fait jamais vraiment totalement plaisir parce que ce qui est bon dans un cadeau, en tout cas aux yeux des femmes, vous allez voir qu'on est encore en train de cogiter. Ce qui est bon dans un cadeau, c'est pas que sa valeur, si vous voulez, c'est ce qu'il symbolise. Ce qui est bon dans un cadeau, c'est le fait que vous, en l'offrant, vous avez pensé à elle au moment où vous l'avez acheté, et en l'achetant, vous vous êtes dit ça va lui faire plaisir parce que je la connais. Et quand on connaît quelqu'un, c'est aussi qu'on connaît un peu sa petite wishlist qu'elle s'est faite, si vous voulez. Nous, femmes consommatrices en tout cas, on a toutes dans notre tête, dans un petit coin de notre tête, ce que j'appelle donc une wishlist, une liste d'envies qu'on complète au fur et à mesure. Alors certaines les écrivent carrément, d'autres ne les écrivent pas, mais gardent ça dans un coin de leur tête et disséminent les indices petit à petit. Donc si vous êtes proche d'une femme à qui vous voulez faire un cadeau, essayez plutôt de piocher dans les indices qu'elle vous donne, parce que là, en offrant le cadeau, l'indice, il aura été saisi et c'est ce qu'elle va penser en voyant le cadeau. C'est « Oh, tu t'en es souvenu » ou « Oh, t'as compris que ce cadeau-là me ferait plaisir ». Ce genre de choses, ça montre en fin de compte que vous la connaissez parce que vous l'avez écoutée. Et c'est, je ne sais pas ce qu'on préfère entre savoir que vous lisez en nous comme dans un livre ouvert ou plutôt savoir que vous écoutez tout ce qu'on vous dit à longueur de journée parce qu'on est quand même des moulins à paroles pour certaines d'entre nous. Vous comprenez bien que cet aspect-là, il est important. Donc si votre cadeau, il sort totalement de nulle part,
que vous êtes tombé dessus, un truc qui n'a rien à voir, rien à voir, que vous vous êtes dit, oh, ça lui ferait plaisir, eh ben, il est possible qu'elle reste comme deux ronds de flanc face à votre cadeau parce qu'elle se dira, hein, j'en ai jamais parlé de ce truc-là. Parce qu'elle ne se sera jamais vraiment imaginée avec, etc. Alors que si vous choisissez un cadeau dont elle a déjà parlé, comme ça, à un moment donné ou à un autre, c'est quelque chose, en fait, si vous voulez, dans sa tête, avec lequel elle s'est déjà projetée. Donc comme elle s'est déjà projetée, le fait tout d'un coup de l'avoir en vrai, ça va lui provoquer encore plus de plaisir. Parce que le jour où elle s'est projetée avec, elle s'est projetée heureuse avec. Elle s'est projetée comblée avec. Donc forcément, vous allez rappeler à elle encore des émotions positives, etc., etc. Bref, on évite les surprises totales et plutôt on va piocher dans les listes d'envie, dans les indices qu'elle a disséminés, etc. Deuxième erreur assez courante, je dois dire, c'est de partir du principe qu'un cadeau doit forcément répondre à une utilité ou à un besoin. Bref, ces histoires de cadeaux utiles, les trois quarts du temps, c'est pas ceux qui font le plus plaisir. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a vraie utilité et vrai besoin, mis à part si c'est pour quelque chose qui est très onéreux, voilà, quelque chose qui coûte très cher et donc c'est difficile d'investir, mis à part dans ces conditions-là, s'il y a un réel besoin, la plupart du temps, je rappelle, on parle à des consommatrices, la plupart du temps, ce besoin, il sera comblé par la personne elle-même. Je pense que c'est faire fausse route que de vouloir à tout prix tabler dans l'utile, tabler dans le besoin. Parce que souvent, les besoins, surtout aujourd'hui, on est tous capables, hommes comme femmes, sous certaines conditions évidemment, je le sais bien, on est tous en mesure de répondre à nos propres besoins. Voilà, de nous suffire à nous-mêmes, si vous voulez. Donc partir du principe qu'un cadeau, ça doit être quelque chose d'utile, que ça doit répondre à un besoin, je pense que c'est faire fausse route. Un cadeau, c'est fait pour faire plaisir et c'est aussi fait pour combler ce qu'on pourrait appeler des plaisirs coupables, c'est-à-dire des plaisirs qui justement ne sont pas nécessaires, des plaisirs qui ne sont pas de l'ordre du besoin. Et donc toutes ces petites choses que au quotidien, surtout quand on n'a pas forcément la fortune de Crésus, c'est toutes ces petites choses qu'on n'ose pas s'acheter au quotidien parce que ça nous fait culpabiliser, vous voyez? C'est surtout de cet ordre-là, et là vous allez vraiment tabler dans l'émotion, dans ce qui fait plaisir, parce que c'est ce plaisir qu'on n'a pas osé se payer, c'est ce plaisir pour lequel on n'a pas osé dépenser notre argent parce que justement il y avait d'autres choses plus utiles, etc. Donc il y a une balance à faire, et sauf si cette question d'utilité et de besoin a été vraiment explicitement mise en avant, demandée, etc., je vous conseillerais plutôt d'aller du côté de ces plaisirs inutiles coupables. Alors je ne vous parle pas de choses complètement inutiles non plus qui vont servir à rien, je vous parle toujours de choses qui sont désirées par la personne et qui rentrent dans le cadre de tout ce qu'elle est susceptible d'aimer, tout ce qu'elle est susceptible de vous avoir dit qu'elle aimerait avoir, mais qu'elle n'a jamais osé se payer, justement, culpabilité, c'était trop cher pour ce que c'était pas utile. Voilà, ce genre d'argument qu'on s'oppose à soi-même lorsqu'on veut être raisonnable, mais lorsqu'il est question de cadeaux, on veut plus être raisonnable. Et là, on veut de l'émotion. Donc, vraiment, allez plutôt de ce côté-là. C'est un conseil. Enfin, troisième conseil, ça, je crois que c'était le plus difficile à vous faire comprendre lorsque j'ai discuté avec vous. Le troisième conseil, c'est vous, en tant qu'homme, vous partez du principe que, bah ouais, mais elle a déjà tout. Elle a déjà tout, je vais pas lui offrir. Elle a déjà 30 paires de boucles d'oreilles, je vais pas lui offrir. Elle a déjà 10 palettes de maquillage, je vais pas lui offrir en plus. Son armoire est pleine de vêtements, je vais pas lui en offrir en plus. Elle a bardé de chaussures, elle en a tout le tour du ventre, elle en a plus que pour une semaine. Je vais pas lui en offrir, voyez. Bon, ça c'est une logique d'homme. Voyez? Sauf que là, vraiment, vous réfléchissez de traviole. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si elle possède quelque chose en très grande quantité, c'est parce qu'elle aime cette chose-là. Et parce qu'elle en aura du coup jamais assez. Si elle a 40 paires de chaussures, c'est parce qu'elle adore les chaussures. Et que si vous lui offrez une paire de chaussures supplémentaires, elle sera heureuse, elle sera aux anges, parce qu'elle adore les chaussures et que ça la passionne. Vous, vous allez dire, oui, mais ça va, elle fait chier, des escarpins noirs, elle en a 40. Peut-être. Mais ils seront tous différents à ses yeux. Une femme, ça voit ses détails aussi, vous, vous les voyez pas. Mais elle vous le dira, ben oui, mais celui-ci, il a un patin, celui-ci, les talons sont plus hauts, celui-ci, il a un petit nœud, celui-ci, il est comme ci, comme ça, la semelle est rouge, pas celui-ci, etc. Elles sont toutes différentes. Et vous pouvez lui acheter une 41e paire d'escarpins noirs.
ils seront différents et elle sera heureuse, elle sera aux anges. Donc cessez s'il vous plaît de vous dire elle a déjà tout. Non, c'est pas vrai. Si elle a quelque chose dans une quantité faramineuse, c'est qu'elle en est fan, c'est qu'elle en est passionnée. Par conséquent, au contraire, ça doit pas être ce que vous devez fuir, ça doit être ce sur quoi vous allez tabler. De la même manière, surtout parce que vous cherchez à faire original, je pense là par exemple, je sais pas, à des bijoux, vous vous dites bon, vous faites la moitié du chemin, vous voyez, vous vous dites bon, elle a énormément de bijoux, elle adore ça, donc je vais lui en offrir. Très bien, vous avez déjà assimilé la moitié du chemin. Maintenant, certains d'entre vous vont dire mais quand même, je vais faire original, je vais lui prendre un truc qu'elle a pas. La question c'est à votre avis, pourquoi est-ce qu'elle l'a pas? Très certainement parce qu'elle n'aime pas. Je prends l'exemple, en ce moment, il y a une très forte mode autour des bijoux de couleur rose gold. On a des bijoux, si vous voulez, en gros maintenant on a trois couleurs. On peut choisir de l'or jaune, de l'or blanc, donc qui ressemble aux couleurs métal, couleur argent, ou de l'or rosé, du rose gold, qui est très très à la mode depuis quelques temps, qui est plus sur une nuance de cuivré, mais quand même, on tire pas sur le rouge marron, hein, on reste vraiment dans du rose. Bref, vous allez voir la boîte à bijoux de votre copine. Vous vous rendez compte qu'elle possède, je sais pas, 10 bracelets et ils sont tous de couleur rose gold. Bon, si vous vous dites, bon, bah, je vais lui acheter en or jaune parce qu'elle n'en a pas, mauvais choix. Si elle n'a pas d'or jaune, c'est parce que ce n'est pas une couleur de bijou qu'elle porte. C'est parce que si vous lui offrez un bijou d'une couleur qu'elle n'a pas, il ne sera pas coordonné avec les autres bijoux. Voyez comment ça réfléchit une femme? Si elle n'a pas cette couleur, si elle n'a pas cette originalité, si elle n'a pas cette fantaisie déjà dans ses affaires, c'est parce qu'elle n'en veut pas. Donc, fuyez à tout prix aussi cette volonté de faire original absolument. On n'est pas en train de chercher ce qu'elle n'a pas, on est en train de chercher ce qu'elle aime. Voilà, j'espère que j'ai su mettre les bons mots sur les bonnes choses, que ça vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne une femme, je le répète, une femme moyenne, d'accord, qui est sensible à tout ce qui est consommation, même si on se l'avoue ou qu'on se l'avoue pas, hein. Donc j'espère que je vous ai aidé à y voir plus clair, que je vous ai aidé à mieux vous projeter pour pouvoir faire des cadeaux et comme ça vous pourrez peut-être faire les bons choix sans culpabiliser. N'hésitez pas à acheter quelque chose pour lequel vous vous dites non mais elle en a déjà 150. Stop! Si vous vous dites ça, pensez à moi à ce moment-là et faites un rewind, re-regardez cette vidéo, le troisième point notamment, vraiment, et mettez-vous dans la tête d'une femme. Je crois que cette fois-ci je vous ai tout dit, si je vous ai aidé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un pouce en l'air évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter si vous avez des questions, des commentaires, des objections, ce genre de choses. Vous savez que je lis les commentaires que vous postez. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il y a aussi un Twitter, mais j'avoue que j'y suis beaucoup moins active. Rejoignez-moi sur le site Le Coin Séduction et téléchargez bien sûr votre guide gratuit pour apprendre à devenir une personne plus charismatique et une personne irrésistible. Voilà, je vous ai tout dit, je vous dis donc à très très bientôt et au plaisir. Let's go.